Et bonsoir à tous. Pour ceux qui reviennent du live de tout à l'heure, on continue la Watch League du coup sur un format de VOD avec cette fois-ci les Underrated contre les Project 5 eSports. Mon cher Mister Dams, les Underrated sont pour l'instant sur une bonne passe avec des 2-0 sur pas mal d'équipes. Les Project 5 eSports, quant à eux, je crois, ont des résultats assez mixés, on va dire. Et peut-être un petit peu plus de difficultés à s'imposer dans cette Watch League. On espère en tout cas pour eux que le match de ce soir sera malgré tout une bonne expérience. L'Underrated, du coup, comme tu le dis, sont en pleine forme pour l'instant. Espérons donc que cela continue pour eux. Le map draft pour l'instant me semble avoir déjà été fait, mais il y a beaucoup de discussions entre les joueurs, entre est-ce que c'est bien ça qu'on a sélectionné, est-ce que c'est dans le bon sens. Donc pour l'instant c'est encore en train de discuter, le match ne devrait pas tarder à commencer. Du coup je suis impatient de voir si l'Underrated vont continuer leur série de victoires et continuer tout simplement à montrer une belle forme comme ils sont en train de le faire pour l'instant, ou si les Project 5 eSports vont réussir à redresser la tête et à éliminer tout simplement, enfin peut-être pas éliminer mais à battre leurs adversaires ce soir. C'est ça, justement, leur adversaire, les Project 5 eSports, une structure multigaming eSports qui a été fondée il y a quasiment un an. Une line-up Overwatch qui a un niveau à peu près similaire à celle d'Underrated. On a du Highmaster GM, Oxa, NRTZ, Marron, Yipman, Prof Oak et Miguel, du coup, les joueurs de cette line-up, du coup. Une multigaming avec des joueurs Master GM, du coup, je le rappelle. Donc, ils peuvent potentiellement contester l'Underrated. Niveau SR, c'est à peu près pareil. Et du côté d'Underrated, eh bien on aura pour ce soir l'équipe composée sera par Lazio, Spartan, Kuzenka, Pancake, qu'on salue bien entendu, Nif et Wash. Donc, mais bonne line-up ici. Voilà, c'était... Voilà. Ouais, je sais. On aura donc une équipe assez intéressante du côté d'Underrated qui devrait avoir le même niveau que leurs adversaires au niveau du rang, comme tu l'as dit, Highmaster GM. Donc un match qui devrait être intéressant et qui, selon ce que j'ai compris sur ce qui s'est dit entre les équipes, devrait se jouer sur Nombani, Nepal et Volskaya dans ce sens-là ou dans l'autre. On ne le sait pas encore, on n'est pas encore sûr. Mais normalement, je n'ai pas vu d'autres maps, donc ça devrait être ces trois-là. C'est ça, Nombani, Nepal, Volskaya. On aura une 2CP si ça part sur un 1-1. Et Nombani, c'est une carte qui est assez mitigée, on va dire, au niveau des hybrides, finalement. Puisque c'est beaucoup de contrôle de hauteur. Et notamment sur le premier point. Et il faut également savoir gérer plusieurs endroits à la fois, ce qui n'est pas forcément gagné d'avance. Ouais, Nombani, c'est une map qui est un petit peu boudée, j'ai l'impression, parce que voilà, il faut assez souvent jouer dive sur le premier point, surtout. Tu l'as dit, il y a beaucoup de hauteur, il y a beaucoup de routes de flanc, hein, de flanc qu'on la connaît, à gauche, à droite, en dessous, au-dessus, ça fait beaucoup de chemin à surveiller. Du coup, pour les défenseurs, c'est compliqué, mais pour les attaquants aussi, il y a beaucoup de choke points qui sont difficiles à passer. Il faut réussir à aller très rapidement, donc j'ai l'impression qu'elle est un petit peu boudée parce qu'elle demande énormément de maîtrise, énormément de travail et de coordination pour jouer dessus. Donc j'ai l'impression que les équipes ne sont pas forcément confiantes sur cette map de Nombani. Donc je suis assez surpris de l'avoir ce soir, mais je suis agréablement surpris. Ouais, c'est bien. C'est bien de voir des cartes qu'on voit pas forcément souvent. Ce sera pas le cas de Nepal qui arrive dans la deuxième carte, puisque c'est une carte qu'on voit notamment à l'Overwatch League. Mais bon, Nombani, une carte avec des strats assez variées finalement, avec du contrôle de la hauteur, des feux à merci potentiels, de la dive à tout va. On va avoir une réponse dans quelques instants sur ce match, sur le résultat. On aura peut-être des compositions qui sortiront un petit peu du cadre plus classique. Hein. On pourra peut-être avoir, comme tu le dis, voilà, du Torbjörn. Sur le premier point, c'est une des meilleures cartes. Ça sort assez vite, hein, puisque la tourelle a beaucoup d'endroits pour se cacher, que ce soit sur la hauteur, en dessous, derrière le convoi, parfois dans les herbes, dans les plantes. Hein, donc ça peut aller un petit peu partout. On peut aussi voir de la Sombra. Elle se joue aussi pas mal sur ce premier point. Les hitpacks sont peut-être très espacés, mais ils sont assez importants, puisque les tresseurs en sont terriblement dépendantes. Donc si on a une Sombra en défense, ça pourrait complètement contrer la tresseur en attaque.
Hein, on sait, Tracer, elle va souvent aller derrière sur les hauteurs pour aller choper le petit pack de soins et ainsi se retrouver derrière avec sa petite source de heal pour continuer à déranger la backline sans pour autant devoir revenir dans son équipe pour avoir du soin. Donc si on a une sombra défensive, ça pourrait faire la différence. Donc je me demande un petit peu ce que ça va jouer, mais pour l'instant on est plus en train de se diriger sur des compos tout à fait classiques avec la dive plutôt habituelle. Ouais, j'en parlais de la faire remercier finalement, hein, puisque c'est ce qui est prévu pour les Protect 5 eSports. Marron et Miguel ont respectivement ses picks, ses contrôleurs. Désert, avez-vous votre ticket? Non. Vous prenez une roquette. Une dive défensive pour l'Underrated. Et Mister Dams, la dive défensive sur Numbani, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir et ce n'est pas pour rien. Et, hein, le contrôle des hauteurs est important, du coup la dive c'est le mieux, même en défense ça fait la différence. On peut donc descendre rapidement sur les attaquants s'ils arrivent sur le chemin principal, on peut aussi aller sur eux par, quand, s'ils arrivent en dessous, mais cette dive du coup qui est très mobile permet tout simplement de remonter sur les hauteurs dans le cas où les supports se feraient tout simplement agresser par l'équipe adverse, ou même en cas de problème on peut très vite reprendre les hauteurs pour essayer tout simplement de s'éloigner des adversaires, éviter de prendre trop de risques et permettre ainsi au support de soigner tout le monde. Donc c'est assez important de jouer de la dive en défense. C'est ça, et on aura le prof Hawk du coup aura un travail de soins à faire et de protection, notamment sur cette diva. Et je m'engage à ne pas faire de blagues sur Pokémon par rapport à ce pseudo, alors que les portes sont ouvertes et on est parti. La dive est lancée directement et on veut aller chercher ce dive cette année. Et directement on va aller sur les hauteurs ici, on va éliminer Lazio ici, le soldier qui va tomber, on essaye malgré tout de rester en vie, mais Wash va à son tour être éliminé, le Winston ici d'Oxa qui va tout simplement faire la différence, pendant Frank qui est à son tour va lui aussi se venger. Pour l'instant les deux équipes se rendent coup pour coup, la défense reste sur le point, Marron depuis le hauteur va venir déranger tout simplement Pancake qui va tomber sous ses roquettes. Pour l'instant on est en train de s'installer peu à peu sur le point du côté Project 5. Spartan et Pancake qui essaient de sauver la patte et c'est un excellent combo aérien sur cette ange qui n'a absolument rien vu venir, et c'est le retour de Lazio mais qui sera accueilli par la bombe à impulsion de Hitman, excusez-moi, avec le rappel. Spartan, le Genji est seul et c'est un taser du coup qui l'attend. Pareil pour Wash, le sort est le même et ce sera une capture pour les Project 5 eSports. Et finalement, malgré tout le travail de Spartan pour réussir à éliminer cette Mercy, puis par la suite éliminer la Tracer, ça ne suffira pas. On va capturer le point du côté des Project 5 eSports ici, qui auront réussi à revenir assez rapidement, hein, puisque les défenseurs avaient malgré tout l'avantage du spawn. Mais non, les Project 5 eSports se sont regroupés très rapidement, ils sont retournés sur le point, ils n'ont pas laissé la défense se réinstaller et se repositionner comme il le fallait. Du coup, c'est la capture. Ici, on va essayer du côté d'NTRZ d'aller prendre Anna de Wash à partie. On va l'éliminer rapidement. C'est problématique, c'est, hein. C'est problématique parce que les Underrated étaient en train de commencer à prendre la hauteur. Il était sur le point de le faire et NTRZ ici a repéré la Ana un petit peu séparée malheureusement. Ça n'empêche pas les Underrated de garder cette hauteur parce qu'en plus de ça, on perd Hitman. Spartan du coup va dégainer la Dragon. Miguel sera dans son sur son curseur et il va revenir au point de réapparition. La Dragon qui va simplement prendre un seul kill, mais c'est suffisant pour repousser les premiers Family Sport. Oui, peut-être un abus de confiance ici du côté des Project 5 eSports. Ils se sont dit, c'est bon, on a eu la Ana, on a l'avantage numérique. Cependant, eh bien, la défense, elle a des ultimes. Ils les ont utilisés et ça a payé ici. Du coup, les Underrated sont maintenant à nouveau installés ici. On va essayer d'arrêter le payload rapidement. Et du coup, eh bien, c'est Oxa qui va en payer le prix fort puisqu'il va mourir sous les fusils de QZK. Et c'est même les deux tanks qui vont être éliminés très rapidement. Et on va nano booster cette diva. C'est presque de la triche, ce qui n'est pas réellement dans le credo de la coréenne, l'ancienne pro gameuse, mais bon, autant en profiter si on peut faire plus de dégâts, might as well. Alors que c'est 6 ultimes qui sont prêts côté Project 5 eSports, de quoi faire un joli festival sur ce convoi. Il va falloir trouver une solution pour éviter tout simplement de perdre le contrôle du côté de la défense. Pour l'instant, c'est Marron qui va utiliser son ultime ici. Il va se faire très bien renvoyer ses roquettes à la tronche directement par Spartan. Mais ce ne sera pas suffisant puisque on a utilisé beaucoup de ressources du côté des attaquants. Les Project 5 eSports qui, ici qui vont pouvoir faire avancer ce payload sans plus d'inquiétude. Pancake qui va essayer de mourir sur le point pour gagner un maximum de temps. Il ne pourra pas. Il a été très bien poussé ici. Le payload va pouvoir continuer sa course. En effet... C'est 4 ultimes qui partent côté des Project 5 eSports. C'est évidemment suffisant
pour remporter la fight. Est-ce qu'on va pouvoir toucher côté underrated alors qu'on prend ici Spartan à partir avec ce Winston? Et non, effectivement, on ne touchera pas. Et donc ça, du coup, va s'énerger. Mais petite sieste improvisée pour ce singe. Retour vers son équipe. L'autodestruction est lancée côté défensif. Sans plus de succès, Spartan toutefois est là avec la double dragon. Malheureusement, Prof Oak va lui faire choisir un Pokémon. Et ouh, MTRZ avec la bombe ici. Un double kill qui va ouvrir la voie pour l'attaque des Project 5 eSport. InterZ ici qui est venu surprendre tout simplement l'équipe adverse, l'Underrated qui ne s'attendait tout simplement pas à avoir une bombe à cet endroit là. Et du coup, eh bien, on va éliminer deux joueurs adverses, dont Spartan qui utilisait son ultime ici, qui ne pouvait de toute façon rien faire à cause du mur du son de l'équipe adverse. Et du coup, eh bien, on a une belle rotation du team hein, du côté des InterZ qui arrive à faire avancer ce payload. Ils ont encore presque 4 minutes de time bank. InterZ qui va les prendre à partie là-dessus, qui va tomber sous ses balles ici. Encore une fois, un très bon pick de la part de cette diva. Pumpkin qui tente ici de contrer cette offensive de Oxa. Malheureusement, Oxa était bien tenant. Il parlait sur des produits Favi Sport. Pumpkin qui se rapproche d'une rapide mondiale. Mais ce sont des roquettes qui vont le prendre à partie. Et ce singe n'est plus. Lazio va sortir du point de réapparition avec une visière tactique. Et malheureusement, la matrice de FTRZ n'était plus disponible. Lazio va du coup en profiter pour faire un maximum de dégâts. La Phara s'est fait déloger. Mais Lazio également. Et là-dessus, ok, il s'est fait complètement dive par la diva et la tresseur de l'équipe adverse ici. Cependant, Wash a réussi à faire endormir ce Winston ici. Il va être réparti malgré tout. On n'arrive pas vraiment à prendre l'avantage du côté de la défense ici. On revient un par un ici. Niv qui va revenir sur le point avec son ultime pour essayer de temporiser au maximum. Mais plus personne ne peut venir contester. Si. Le point va continuer à avancer. Quoique, il y a un singe qui est là et Pankia qui va s'énerver. Il va peut-être prendre un pic sur cette merci. Ça pourrait être très important, effectivement, Cousin Cass. Sera là pour l'achever alors que l'autodestruction est lancée potentiellement disponible de chaque côté. Kuzenka est nano boosté avec la diva et Oxa du coup va prendre tellement de dégâts qu'il a disparu de cette planète. L'autodestruction du coup part de chaque côté sans plus de succès. Ouais, les deux ici, les deux bombes ont réussi à zoner mais pas à éliminer qui que ce soit. Pour l'instant la défense continue de contester le maximum. Spartan qui fait un très bon travail avec son Genji va réussir à éliminer deux joueurs adverses. Et du coup la défense va avoir l'avantage du respawn. C'est deux picks hyper importants pour remporter cette teamfight. On tente malgré tout de continuer à avancer. Quoique l'attaque va être enfin avorté, les Underrated vont remporter ce fight. Et ouais, on a plus l'avantage numérique côté pour les Favi Sport. Les Underrated qui sont revenus au compte-goutte et c'est passé. Ces gouttes étaient acides, ça prenait des frags par-ci par-là. On a perdu Miguel d'ailleurs qui aura eu le temps de revenir en fin de team fight. Malheureusement, c'était un petit peu trop tard. Et maintenant, regarde le choix des pour les Favi Sport. On passe directement sur la gauche. Et plutôt directement sur le point, on va aller chercher Wash et ce sera pas un succès. Niv sera là juste à temps pour faire un gros burst de vie. Il a bien reculé avec sa Ana ici et du coup on va le maintenir en vie. Du coup là-dessus on va réagir maintenant avec son Tactical Visor qui va tout simplement éliminer deux joueurs ici. La dive qui est très bien contrée par l'équipe d'Underrated qui ne se laisse pas faire ici. Maintenant que le payload est arrêté, il ne compte pas le laisser reprendre sa course. Et du coup il ne reste qu'une minute 15 au Project 5 Sport pour trouver la solution qui permettrait tout simplement de terminer la map. Mais pour l'instant, ces solutions auront une inconnue. En effet, ces équations devront gérer un mur du son. Nif ici, qui pourra contrer certains des plans des Project 5 Sport. Et on aura également une Valkyrie, aussi défensive de chaque côté. Nif du coup, utiliser la sienne. Et ce mur du son, toutefois, sera bloqué en partie par le bouclier du Winston de Oxa. Qui peut le cousin Car faire son mecha plus tôt que prévu. Et du coup, Marron va en profiter et lâcher son propre Zatik. Ce sera un double kill pour ouvrir la fight. Ouais, pour l'instant tout est en train de bien se passer pour cette équipe des Project 5 eSport. On a personne pour venir contester Lazio qui va mourir juste avant de pouvoir toucher le convoi. Et du coup la map va enfin être terminée par cette équipe des Project 5 eSport. Cependant ils auront quand même perdu énormément de temps. Ils avaient presque 4 minutes et surtout avec seulement 37 secondes. Au moins, ils auront garanti une nouvelle attaque en cas d'égalisation. Et je veux parler de ce bouclier Winston de Oxa qui, pour moi, fait remporter la fight. Ce qui se passe, c'est que l'Underrated veulent engager avec le mur du son de Niv. Mais une mécanique qui n'est pas forcément connue de tous les téléspectateurs ici, c'est que les boucliers bloquent le champ de vision d'un mur du son. Et ce qui se passait, c'est que Kuzenka était dans le dôme de Oxa. Ce qui fait qu'il n'a pas récupéré les boucliers du mur du son de Wash. Ce qui fait que Kuzenka, du coup, il perd son mecha. Et quand il n'y a plus de mecha, les soldats dansent. Et Marron a du coup pu utiliser une visière tactique vraiment sans se soucier de se faire bloquer l'intégralité de ses balles.
C'est pas forcément quelque chose de volontaire, mais c'est un détail important qui fait réellement la différence. Et c'est vrai qu'on l'oublie, hein, mais oui, les shields, les différents boucliers du jeu peuvent bloquer le mur du son de Lucio, qui est en plus de ça limité au niveau de la distance à laquelle il peut générer son mur du son. Du coup, eh bien, Oxa, peut-être même sans le vouloir, a réussi à faire sans doute l'action la plus importante de la partie, puisque c'est grâce à son bouclier, grâce à sa bulle de protection, qu'il va tout simplement sauver son équipe et permettre à son équipe de terminer la map. Donc rien à dire, c'était très bien joué. Je ne sais même pas s'il s'en est rendu compte au final sur le moment même. Ah bah, je ne sais même pas s'il le sait sinon, en ce moment même. Si tu nous regardes, Oxa, dis-toi que tu as fait gagner une fight. Tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais c'est le cas. T'as nullifié un ult. Ouais, c'est propre. Underrated maintenant en attaque, une dive très classique, une dive qu'on aura l'occasion de voir. Ça fait un an d'ailleurs que cette dive a réellement devenu populaire, avec évidemment les rogues qui utilisaient le plus possible la triple DPS juste à la place de soldat. On aura une diva. Et en effet, du coup, eh bien, on aura double flanqueur. Ça risque de faire très mal, surtout Zenyatta de Miguel ici, qui va devoir faire très attention à son point de vie ici, tandis que ça va être éliminé à une vitesse éclair ici. Du coup, eh bien, on a l'avantage en nombre maintenant. C'est la débandade du côté, du côté des Project 5 Esports. Cependant, Frank, qui est du côté Underrated, va s'écrouler ici. On perd Nif aussi. Est-ce que ça va suffire? Ouais, ça va suffire, évidemment. Un stage, c'est gros, Mister Dam. Non, ça prend quand même pas mal de place. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu coinces un singe dans une porte avec un autre singe? Pas de singe, il sort pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oxa était assez surpris. Mais attention, on n'a pas dit son dernier mot. Kuzenka a perdu son mecha. L'agression de Oxa ici est en train de payer. Spartan, sous les coups de Gipman, retourne au point de réapparition. Gipman peut d'ailleurs coller une bombe à impulsion si besoin. Et d'ailleurs, Pancake va tout prendre le kill ici. J'ai l'impression que ça a quand même passé malgré les efforts des Project 5 Esports. Et quoique, on continue de se battre, on essaye de contester au maximum ici, on est revenu, on a réussi à éliminer deux adversaires. Le point va finalement être capturé alors qu'on était encore pas mal de joueurs en vie ici. On a tout simplement pas pu contester le convoi puisqu'on a été bloqué, buddy block, bum dans tous les sens, on pouvait rien faire. Les Underrated qui vont débloquer le convoi rapidement, on va se montrer très agressif maintenant. On va essayer tout simplement d'éliminer les adversaires trop avancés ici. Marron va en payer le prix fort ici. On ne pourra pas éliminer qui que ce soit d'autre. Les Underrated qui vont se regrouper près du convoi. Ouais. Pour les Five Esports qui vont pouvoir revenir ici avec un Unovizor dans quelques instants, qui pourrait être relativement important, puisqu'on fait évidemment sur la partie de la carte où tu peux facilement contrôler une hauteur. Mais il y a quand même beaucoup d'ulti hein, du côté des Underrated. C'est une phase de pélo qui sera difficile à réellement contester côté défensif. Et ça commence justement avec la mort de la Tio de la part de Miguel ici. Mais il y a également une lame de dragon qui prend son danse pour bloquer la plupart des dégâts. Et là, on lâche tout ce qu'il y a en réserve. Et Marron qui a très bien réagi, hein. Il a vu tout simplement Spartan arriver avec son ultime ici, la Dragon Blade qui était sortie. Et du coup vient le Nanovisor qui était prévu a finalement été utilisé. On va essayer du coup d'éliminer les derniers supports de l'équipe adverse. Les Underrated qui doivent s'en grouper. Ils auront utilisé le mur du son et on l'aura même pas vu passer du côté de Wash puisque les dégâts des Project 5 Esports étaient très importants, voire même trop importants. Le teamfight est remporté sans plus de difficultés. On a quand même claqué beaucoup d'ulti hein, côté Underrated. Ce qui fait que les prochaines fights risquent d'être relativement compliquées. Et malheureusement, Nif n'aura pas le temps de dégainer. Et du coup, cette Tracer va se débarrasser du moine omniaque. Peut-être Spartan également, qui a pris beaucoup de dégâts. Man ici va chercher peut-être une call avec cette bombe à impulsion. Ce n'est pas une CPE, mais une Tracer. Attention à ne pas confondre, Spartan va tomber sur des roquettes de NTRZ. Je pense que là-dessus, dans Underrated, on devoir simplement faire un petit regroupement. La bombe de Hitman, ça touche Wash. Est-ce qu'il peut finir le kill? Oui, c'est bon, NTRZ sera là pour l'interception. C'est bien joué ça, hein. L'équipe ici, on voit la communication, on a vu tout simplement que celui-ci était low, la bombe lui a fait des dégâts, mais on n'avait pas réussi à l'éliminer, du coup Inter-Z qui va tout simplement aller à l'agression, il prend des risques, mais ça paye, perdre un support du côté Underrated, c'est un petit peu trop, on est obligé d'attendre, on va se regrouper, il faut trouver la solution du côté Underrated, on vient de perdre 2 minutes sans pouvoir avancer plus que ça, on va à nouveau repartir à l'assaut ici, on va utiliser la transcendance assez rapidement. C'est forcé par Oxa, c'est plutôt pas mal, maintenant c'est au tour de Spartan de lâcher sa lame du dragon, mais oh non mais bah prof Hawk, depuis les hauteurs, la lame de dragon n'est plus. Bunkek avec la commandale va tenter ici peut-être de retourner la situation en poussant Marron qui a son plus tentatif. Et Pancake ne peut pas se faire soigner, il a pris la grenade de cette Anna. Maintenant c'est le retour directement sur le convoi avec la perte de Wash. On risque d'avoir quelques difficultés.
Donc pas la solution pour l'instant. Peut-être la solution c'est Sparta d'ici qui a réussi à éliminer Oxa. Est-ce qu'il pourra faire la différence? Non, c'est NTRZ ici qui est tout simplement en train de faire un bon travail de zoning. On va cependant faire perdre son mecha, mais la défense est toujours en train de tenir. Et là regarde moi ça, Spartan qui fait du manège avec ses joueurs, mais c'est bon. Le pilote Diva va simplement s'en débarrasser. Mais attention à ne pas se faire punir. Le tasseur, ouh NTRZ c'est bon. Pancake va pouvoir trouver ce frag relativement important. FKZ va mettre un petit peu de temps avant de pouvoir réellement revenir. On aura une bizarre tactique qui sera en train de nous booster, mais c'est une tête de Nif qui va mettre un gros nom à ce combo très important. C'est pas la première fois que Nif va éliminer ce soldier ici. Il avait fait la même chose sur le premier point qui avait permis la capture. Et encore une fois, eh bien du coup, c'est ce petit move qui va donner l'avantage à son équipe pour avancer ici. On va enfin capturer le convoi. On a quand même perdu pas mal de temps, ce qui fait qu'on aura que 3 minutes du côté Underrated pour essayer de terminer la map ici. Et ainsi égaliser, il faut qu'ils arrivent plus vite possible pour essayer d'avoir un maximum de temps pour une nouvelle attaque. À 3 minutes c'est beaucoup, mais les Project 5 eSports auront du répondant. On a toujours ce Nano Visor en réserve. Et là c'est une balle tête de singe qui se fait depuis la hauteur. C'est Pancake qui va la perdre, parce qu'il n'y avait pas qu'un singe, il y avait aussi une coréenne. Un pour un, Nif qui va ramener Gitman au point de réapparition. Et maintenant voilà, transforme un double ulti-support côté Underrated. Mais quelle importance Underrated qu'on traite ici de percer les défenses. Et là Tsu qui fait toute la différence avec sa Tracer ici. Il a réussi à coller la bombe sur le soldier alors que celui-ci était en train d'utiliser son ultime. Il va tomber sous les pulseurs de Yipman, mais ce n'est pas grave. Pour l'instant il ne reste que cette Tracer qui va tomber maintenant à son tour. La différence qu'a fait là-dessus sur ce teamfight est assez conséquente. Il a réussi à nullifier Marron sur le dernier teamfight et ainsi à sauver son équipe. Et là, on est en train de contrôler toutes les entrées alors que Bombe Diva part sur ce convoi. Personne ne sera touché. Et maintenant, on dégaine à la Moondragon. Prof Oak en ligne de mire. Prof Oak va tomber ici. On cherche d'autres cibles et c'est Oxa qui va se faire trancher. C'est du souci de singe au menu, mesdames et messieurs. Alors qu'il ne reste plus que 64 cm. Et c'est bon pour les Underrated ici. Il n'y a plus qu'à se débarrasser de cette Britannique et c'est fait. L'Underrated ont capturé avec une meilleure banque de temps ce point de Numbani. Un match très serré et sans rebondissement. Et tout est à refaire maintenant pour les deux équipes. Cependant, on n'aura qu'une minute pour attaquer du côté des Project 5 eSports alors que les Underrated auront eux 2 minutes et 3 secondes. Donc deux fois plus de temps pour aller deux fois plus loin, bien entendu. C'est l'objectif. Tout peut encore arriver, on est sur Overwatch, en une minute on peut faire des miracles et c'est ce qu'ils vont devoir faire du côté des Project 5 eSports. Ils vont attaquer les premiers, leur composition est en train de se former, ils vont repartir sur une dive tout à fait classique. Marron est en train d'hésiter sur le DPS à prendre, il avait pris Pharah lors de la première attaque, est-ce qu'il va la reprendre maintenant? On sait qu'on avait là-dessus sur Soldier. Oui c'est ça, après bon là-dessus il n'est pas resté en vie très longtemps sur la première attaque, c'est fait que Marron a réellement pu s'exprimer avec sa Pharah. Et pour le coup, effectivement, si la dive, s'il veut faire en sorte que la dive se passe de la même manière, eh ben la Pharah Mercy me semble être une chouette idée. Et Marron, évidemment, m'a l'air d'avoir les mêmes sentiments que moi par rapport à cette suggestion. La Pharah Mercy est à nouveau de sortie. Prof Oak, évidemment, sur le Lucio. D'ailleurs, j'ai raté mon engagement, j'ai fait une Black Pokémon. Donc, du coup, désolé. Je suis pas quelqu'un de confiance sur le coup. Underrated qui vont partir sur un dive similaire à celle de tout à l'heure, mais là je pense qu'il va falloir être beaucoup plus attentif à Lazio sur cette première fight, parce que c'est vraiment lui qui a été la cible des Project 5 eSports sur la première attaque. Oui, on la connaît au final, la cible prioritaire de chaque équipe, elle est définie, Marron d'un côté, Lazio de l'autre, et deux joueurs ici vont devoir se faire un véritable face-à-face pour donner l'avantage à leur équipe. Ouais, du coup, on cherche une ouverture, peut-être directement, c'est parti effectivement, et là c'est une bataille à l'intérieur, ni NTR ici qui va se faire punir en ayant voulu contester ce soldat qui aura fait pas mal de dégâts. Mais attention, il y a un échange. Marron ici va prendre un double kill alors qu'on a un duel dans ce couloir. Et pour l'instant, c'est à l'avantage de la presseur. Et Marron continue à faire les dégâts avec sa Pharah ici. Déjà 64% de son barrage. Pancake va prendre les coups de boule de musique de Prof Oak. Et ce sera une capture pour les Project 5 eSports. Ils jouent bien hein, les Project 5 eSports, ils savent que Lazio va se positionner sur les hauteurs. Du coup on l'a forcé à rester coincé dans couloir, ce qui permettait à Marron d'être libre de ses mouvements sans pour autant devoir éliminer ce soldier hein. On savait que Lazio était toujours en vie, mais on le savait aussi coincé. Du coup Marron se montre, il fait les dégâts, il fait les kills.
ce qui permet à son équipe de débloquer le convoi ici. Maintenant on va avancer, là-dessus encore une fois est éliminé, Marron est libre de ses mouvements ici, et du coup eh bien il va pouvoir déchaîner ses roquettes sur le sur les rangs. Et là c'est une génération de convoi. Le problème c'est que l'underrating, non, ils ont été séparés par les projets Five Esports. Ils n'ont pas eu l'occasion de faire plus de dégâts. On a du coup eu un avantage de dégâts. Hitman a utilisé sa bombe à impulsion dans le dos. Et là maintenant les kills s'enchaînent côté Project 5 Esports. Kuzenka perd le mecha et perd la vie également. Et ce qu'on va continuer à avancer. Les ultis toutefois sont en train de côté Project 5 Esports. J'ai l'impression que oui, Hitman pour Trevor Time va changer de personnage. On va prendre une fatale. Ouh, intéressant. Là c'est très all-in ce que font les Project 5 Esports avec cette fatale. Ah oui, on tente le tout pour le tout hein, du côté de Hitman. On sait que ça peut être ravageur, une fatale pour accompagner cette Pharah, puisque la Pharah va attirer toute l'attention, tandis que la fatale du coup va pouvoir peut-être arracher l'une ou l'autre tête, mais on n'a pas le droit à l'erreur ici. Et Marron qui va utiliser son barrage, il va être très vite contré par là-dessus. Mais Hitman toutefois qui a totalement interrompu Pancake pendant cette tentative de dive, alors qu'on est toujours en prolongation. Chacune des bombes va prendre effectivement un frag. Spartan arrive toutefois ici avec la lame de dragon, et là on lâche toute la sauce de côté underrated, et ça va du coup déloger les Five Five Esports de ce convoi et perdre nos défenses à la fin de cette première phase de convoi. Il n'y a plus que haut que ça, malheureusement. Toujours plus haut, toujours plus fort, mais pas sur le convoi. Et underrated vont devoir faire mieux. Et au final, on a quand même en une minute fait une très bonne performance de la part de cette équipe des Project 5 Esports. Débloquer le point, c'est déjà assez, assez impressionnant en seulement une minute, mais faire 88 mètres et 47 cm, c'est presque un exploit pour cette équipe ici, qui du coup se met très bien. Ils n'ont que 2 minutes à tenir et ils ont un convoi à l'arrêt pour l'instant, donc on peut encore espérer remporter cette partie ici pour les Project 5 Esports. Rien n'est encore fait pour l'équipe des Underrated qui va repartir sur une dive avec un double flank, encore une fois. Et finalement, la dive s'est passée un petit peu de la même manière que tout à l'heure. Ils ont réussi à prendre le contrôle, le tube à droit. Peut-être qu'on a perdu un mecha diva très très rapidement. Il y a eu un échange, parce que dès qu'on a pris le contrôle à la hauteur, Marron a juste à se placer sur le point. Il n'y a pas réellement qui que ce soit pour contester. Lazio était acculé dans le couloir en fait par la diva, donc il ne pouvait pas gérer et la diva et la Pharah dans les airs. Marron du coup a juste tiré des roquettes. Il a cliqué sur les gens. Ça a fonctionné. Apparemment ça tue des gens de faire ça. Et clairement ça se voit que la stratégie Pharah en attaque contre un soldeur sur Noumani a été travaillée du côté Project 5 Esports. Ils ont réussi à se débarrasser de ce soldat pour faire en sorte que Marron soit libre. Cette fois-ci cependant on va pas prendre de Pharah du côté de l'attaque d'Underrated. Et on aura une composition Anna Zenyatta en défense pour les Project 5 Esports. De quoi être très dangereux et surtout avoir pas mal de heal. Et à nouveau, voici la cible, mesdames et messieurs, une chasse à l'homme, mais il y a la défense des Project 5 Esports qui vont directement empaler l'Underrated. Retour au point de réapparition. Que dire de plus finalement? C'était bien joué, ça a été très rapidement ici. Kuzenka qui va tomber sous la grenade de Profoc ici. Cependant, il a quand même réussi à éliminer le Zenyatta de Miguel. On a peut-être une fenêtre pour attaquer ce point ici. Peut-être que l'attaque va réussir à arriver avant le Zenyatta de Miguel qui bien, est assez lent. C'est, hein, c'est un Zenyatta, hein, ça va pas très vite ici. Du coup, eh bien, Pancake va directement aller sur le tort. Il va prendre à partie cette, Anna ici. Il va tomber encore une fois très rapidement, puisque la défense des Project 5 Esports est très solide. Xa vraiment qui adopte le style de jeu idéal pour en défendre ce point. Il ne va pas aller chercher la backlane d'Underrated, mais plutôt protéger celle de son équipe. On a vu Prof Hawk se tranquillement se promener sur ce balcon et Xa était là pour repousser tout envahisseur. Et non, ce ne sont pas des Gaulois, ce sont des joueurs d'Overwatch. Et pour le coup, eh bien, les Project 5 Esports peuvent être confiants. Il ne reste que 35 secondes au Underrated pour trouver la solution et débloquer ce qu'on voit. Sinon, eh bien, on faudra concéder cette première map au Project 5 Esports. La dive va à nouveau se mettre en place. On va essayer d'aller sur les hauteurs. Marron qui prend la partie, il prend énormément de dégâts, mais il est très bien maintenu en vie par son équipe. Est-ce que ça va suffire pour l'instant? Oui, puisqu'il est à le booster. C'est superbe côté Underrated. Franchement, c'est du délice de voir une counter dive exécutée de cette manière. Marron, il est tenu en vie par une orbe d'harmonie, par une grenade amplificatrice de soins, ainsi qu'un nano boost. Il n'a plus qu'à lâcher la vision tactique et on ne touchera pas le point. Les Project 5 Esports ouvrent le score 1-0.
Ils ont bien joué, hein, les Project 5 eSports. Ils l'ont vu, ils l'ont travaillé, je pense, cette Counter Dive. Ils ont bien maintenu en vie tout ce qu'il fallait. Kuzenka avec D.Va pour le play of the game. Aïe aïe aïe, la petite bon D.Va. Très très propre. Rien à dire. Alors qu'on passe, mon cher Dams, sur... non, pas sur Vosca, sur Népal, du coup. Népal. Alors que ma caméra a décidé de disparaître, et vous me voyez fermer les yeux. C'est absolument magnifique. Voilà, la je suis de retour. Qui a rendu là. T'en as l'impression que je dors, en fait. J'avais une tête, genre... C'est... Et pourtant, pourquoi dormir face avec une game de ce niveau, pour le coup? C'est vrai que pour le coup, on a eu une première map très intéressante, très serrée surtout, puisque les Project 5 eSports finalement avaient moins de temps, mais remportent malgré tout cette première map sur Numbani. Mm-hmm. Ils ne partaient pas avec la confiance, hein, puisque les Ender Eated pour l'instant sont en bonne forme, ou en tout cas jusqu'à maintenant ils l'étaient, ils avaient l'avantage, ils avaient 2 minutes 3 contre 1 minute pour la seconde attaque, et au final, ils n'arrivent même pas à débloquer le premier tiers du premier point. Donc, belle performance de Project 5 eSports ici qui remporte cette première map. Est-ce qu'ils vont pouvoir rééditer cet exploit sur cette map de Népal ou est-ce qu'on va devoir ensuite se départager sur Volskaya? On va voir ça dans quelques instants, dès que les deux équipes seront prêtes. Mm-hmm. Pour l'instant, nous, on attend le départ. Je suis très impatient de voir ce que les deux équipes vont jouer. Ouais, après, on a vu de la dalle de chaque côté. On a vu vraiment un style counter dive côté Project 5 eSports qui a réellement payé sur cette défense de Numbani entre Oxa et NTRZ. Les deux tanks jouer ensemble et protéger les supports. Et on a vraiment vu que ça a payé. T'as vu Marron sur la dernière phase, justement. Il est vraiment... Il se fait tirer dessus de tous les côtés. Mais il y avait absolument toutes les ressources sur ce soldat. Et c'est normal parce qu'il avait un viseur tactique. Et on pouvait l'anobooster du côté de Prof Hawk. Et directement... Avec ce viseur tactique, étant donné qu'on a voulu Matrice, le Winston qui était sur la hauteur pour qu'il tente de faire les dégâts sur le soldat, et bah il n'y a plus de protection. Et ça déroule tranquillement. C'était bien joué parce que du côté Project 5 eSports, on savait que Marron était la cible, la cible principale, la cible prioritaire de Underrated. Il était là depuis le début à faire des dégâts sur les hauteurs sans tomber. Du coup, l'Underrated devait l'éliminer. On a un petit peu utilisé ce soldier comme appât, je dirais, pour attirer tout simplement la D.Va adverse de Kuzenka directement en haut. Une fois que Kuzenka était en haut, il est devenu la cible des Project 5 eSports. Ils ont éliminé le mecha et dès que la baby D.Va était libre de son mecha, eh bien, on a utilisé le nano boost sur le soldat de Marron qui s'est fait un plaisir après de balayer toute l'attaque d'Underrated. Donc on a très très bien joué cette counter dive du côté Project 5 eSports. Je suis assez impressionné. Je ne m'attendais pas à une telle coordination et à un tel travail d'équipe. Mais ils la méritent leur victoire sur cette première map. Et maintenant on va voir s'ils méritent la victoire complète face aux Underrated, qui sont du coup un petit peu les underdogs sur ce match, puisqu'ils ont deux games à remporter. Est-ce que Népal sera la première de remonter? On va le savoir dans quelques instants. Nous sommes en chargement. C'est loin d'être terminé. C'est parti. C'est parti, on va jouer sur l'hôtel en premier. Ça ne m'étonnerait pas du coup de revoir de la dive tout à fait classique ici. Les équipes vont se former. Pancake qui va partir sur un Winston, Oxa, même chose. Donc de la dive sans surprise ici. Du côté des Underrated, on va repartir en double flanqueur de nouveau. Pas de hitscan ce côté-là. Cependant, Marron, lui, va de nouveau se diriger sur une Pharah, ce qui risque du coup d'être problématique pour cette équipe. Et on est sur un des rounds où tu peux sortir la Pharah, merci, où t'as pas mal de liberté finalement. Une dev classique ne pourra pas aller chercher cette Pharah, merci, si facilement, puisque regarde l'espace qu'elle a. Marron ici va pouvoir vraiment arpenter les cieux, les sillonner, les contrôler, comme toute bonne Pharah qui se respecte. Et pour aller la chercher, il va falloir faire un très très grand bond. Un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité. C'est ce qui va être nécessaire pour les Underrated pour gérer cette Pharah, merci.
Et on espère du coup que Marron va réussir à faire son travail comme il l'a fait sur la première map ici. Lazio du coup sera sur Tracer, il sera donc beaucoup moins ennuyé par cette Pharah, mais le reste de son équipe, lui, sera beaucoup plus en danger puisqu'on n'aura rien contre cette Pharah de Marron. Mm-hmm. Marron du coup qui va s'élancer sur les hauteurs sans trop d'inquiétude, hein. Il ne le sait pas encore, mais il n'y a rien de conçu pour le contrer en face, et du coup eh bien il va normalement être un petit peu plus libre, mais il va devoir prendre des risques pour éliminer l'équipe adverse parce qu'on est très très mobile. Ouais, l'une des réactions évidemment face à une Pharah Mercier, c'est de mettre directement les pieds sur le point, mais attention, on a perdu une nif, cette dent de Discord elle est importante parce que là en fait pendant que Marron pilonne les joueurs en underrated depuis les cieux dans le dos, taille mal qui fait également ses dégâts. Là-dessus, elle va finalement s'en débarrasser, va pouvoir utiliser son rappel, mais cette Tracer est toute seule et elle va devoir concéder le point. D'ailleurs, elle va même se faire récupérer par Oxa en décalé. Une capture en bois et du forme pour les rouges. C'est là qu'on voit qu'au final, le combo Tracer Pharah est problématique pour cette équipe d'Underrated, puisque on a Marron dans le ciel qui va attirer les regards vers le haut du coup, et du coup eh bien on va en profiter du côté d'Hipman. On sait qu'on ne le regarde pas, il va arriver derrière, il va aller se débarrasser ainsi des supports, et du coup eh bien on va gagner le teamfight rapidement sans difficulté pour les Project 5 Esports qui possèdent le point et qui vont déjà dépasser les 25% de capture. Ouh, c'est un singe qui est très très discret. Et maintenant on va directement sur Zignata. Hipman sur le côté remporte un duel de Tracer face à Lazio. La bombe va coller sur la dev de Kuzenka. Et ce mecha du coup est perdu. C'est un bon départ et un point défense pour l'Esport. Et Hipman continue à dérouler. Partage pour pouvoir faire la distance avec cet Anneau Dragon. Deux qui sécurisent ici. Il n'y a plus réellement de cible à disposition. Et Miguel va pouvoir quand même ramener prof au Canadien. Mais on a réussi à se débarrasser de cette Pharah alors qu'elle était sous ultime ici. Mais est-ce que ce sera suffisant? Pour l'instant, on est en train de contester ce point malgré tout du côté Project 5 Esport. Et on arrive à éliminer les adversaires sur ce point. On va réussir à le maintenir en position rouge du côté Project 5 Esport. On va même aller chasser le Zenyatta de Nive qui va tomber sous le Taser Dog. Ça, quelle défense de la part des Project 5 Esport. Oh là là, Hipman avec sa Tracer qui est en train de rouler sur la game. Pour l'instant, je le vois très très souvent dans le kill sheet. Et là maintenant, il est caché avec bombe à impulsion. Il n'a pas été repéré par l'underrated. Et là maintenant, ça va coller peut-être sur Nip. Non, on va simplement essayer d'utiliser les pulseurs. Mais il y aura un mur du son très très bien utilisé de la part de Wash ici. La bombe à impulsion du coup va rater. Et avec la paire de Miguel, l'underrated ont une grosse opportunité pour mettre les pieds sur le point. Avec cette transcendance, ça va être relativement simple. Oui, c'est intéressant comment ils ont joué ici, les Project 5 Esports. Ils perdent le point, mais ils ont réussi à forcer les deux ultimes défensives. Très bien, oui. On sait du coup qu'on ne les aura pas pour le prochain teamfight. Du coup, les Underrated reprennent le point, mais à quel prix? Deux ultimes défensifs ici, ils n'auront que les ultimes des tanks pour le prochain teamfight. Peut-être les DPS arriveront à charger les leurs, mais on sait du coup qu'on n'aura rien pour contrer les attaquants ici du côté des Project 5 Esports, puisque on a forcé beaucoup d'ultimes. La stratégie côté Underrated maintenant, ça va être de charger le maximum d'ultimes pour une fight où il va falloir tous les utiliser. Spartan ici se rapproche du dragon. Comme tu l'as mentionné, on n'aura pas d'ulti support comparé aux premiers Five Esports qui auront ici un mur du son. Et on va pouvoir l'utiliser offensivement. Mais si il est utilisé offensivement, Spartan pourrait utiliser la du dragon. Pendant ce temps-là, Lazio colle une bombe. Oxa va se faire récupérer dès le départ. Un excellent départ pour défendre Underrated là-dessus. Ouais, cette fois-ci, les Underrated ne se laisseront pas faire ici. Ils vont réussir à tenir sans perdre qui que ce soit dans leur rang, ce qui va permettre de recharger quelques ultimes, même si on a utilisé celui de Pancake et de Lazio. Les supports, du coup, ne seront pas sans armes pour le prochain teamfight s'ils arrivent à charger les leurs un petit peu plus rapidement. Pour l'instant, on se regroupe du côté des Project 5 Esports et on va attaquer directement du côté de la falaise pour essayer peut-être de bumper, forcer tout simplement l'équipe adverse à avancer. C'est Spartan qui va Marron et du coup qui n'est pas affecté par le mur du son. Malheureusement, Spartan ici est un petit peu seul et Miguel va s'en débarrasser avec la Moira. Un laser évidemment qui vire automatiquement les cibles. Ça fait très très mal à Genji. NTRZ avec l'autodestruction va simplement repousser ce Zignata. Alors qu'on est maintenant sur le point avec cette transcendance, qui vient toutefois malheureusement d'expirer avec cette diva. Le moine ne reste pas beaucoup en vie.
Allez, hein, dès que sa transcendance se termine, eh bien, il va directement retourner au point de réapparition. On est toujours en train de tout donner du côté des Project 5 Esports. On sait qu'il faut remporter ce teamfight puisque c'est le dernier de se rendre ici. Et pour l'instant, eh bien, on est en train de le remporter. Ce combat, les Project 5 Esports vont récupérer. Elle est importante, cette coalescence ici. La Nerecti est en train de manquer de plus en plus de soins avec la mort de Nif notamment. Et Wash était simplement en train de revenir. Cette coalescence vraiment met un terme à la fight parce qu'on a un gros avantage de points de vie. Pour les Project 5 Esports, grâce à cette ultime Moira, on tente de revenir coûte que coûte pour le Underrated. Je pense que malheureusement, la porte est scellée et les Project 5 Esports vont prendre ce round et ouvrir le score 1-0. Et on a beau toucher le point, on n'arrive pas à éliminer les adversaires du côté des Underrated. On est obligé de s'incliner ici sur ce premier round. C'est serré, mais ça reste à l'avantage des Project 5 Esports qui prennent l'avantage. Du coup, sur cette map de Népal, ils seront à un round de remporter le match complet. Aïe aïe aïe, et on mettait l'Underrated plus gagnant que les Project 5 Esports. Mais les Project 5 Esports ici sont en train de créer une petite surprise. Un match équivalent en niveau qui part pour l'instant en leur faveur. L'Underrated se défendent toutefois très très bien. Et les deux équipes jouent vraiment, vraiment plutôt correctement. On a de la bonne qualité de chaque côté. Mais maintenant, les styles de jeu changent complètement Mr. Nams parce qu'on est au sanctuaire. Oui. Du côté des Underrated, on a changé presque la totalité des joueurs. Là-dessus, on va partir sur Soldier, Spartan, sur Junkrat. Mais le plus intéressant, c'est Pancake et Kuzenka qui vont jouer sur Orisa et Chopper. Le combo de tank ici qui va ressortir. De quoi mettre pas mal de monde dans le vide. Faudra faire attention, surtout pour cette backline ici, puisque Mekugel ne pourra pas s'en sortir s'il est projeté dans le vide. Ce n'est pas le cas de Propoke. La dive va se lancer. Et oh, Zach va se faire piéger et simplement éliminer. Par l'Underrated, NTRZ par le mecha est en train de passer côté Underrated ici. Les Project 5 Esports se sont empalés sur le Orisa Chopper. C'est très très compliqué de dive des Orisa Chopper en fait, vraiment. Oui, cette composition au final est réputée pour être un bon moyen de contrer de la dive, surtout sur cette map où c'est la map favorite de cette composition. Oxa qui va imploser sous les roquettes de Spartan. Pour l'instant, on a toujours le point en possession du côté des Project 5 Esports. Ils sont en train de grappiller quelques pourcents. Ils n'en ont que 16, ils ne pourront pas faire beaucoup mieux. Mais cette stratégie Orisa Rodog marche très très bien. Ouais, ça marche très très bien. Spartan on fire ici avec un airshot skillé à 600% inséré une musique de Pendulum là-dessus. Ceux qui comprendront la référence, je vous salue. Spartan qui aura ici un pneumatique qui pourrait déjà repenser Project 5 Esports. Il est déjà dans une excellente position. C'est parti. On essaie de trouver la solution ici. Spartan qui va se faire exploser son pneu et Nif qui va mourir sous l'explosion de Yip Man et sa bombe. On a utilisé un nano boost, Visor nano boosté ici du côté de Latios qui va permettre d'éliminer Marron ici. Mais est-ce que ça suffira pour l'instant? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Le point a été recapturé par la Project 5. Et ça, c'est important de recapturer le point évidemment. Latios ne pouvait pas forcément le contester puisqu'il était en train de faire les dégâts. Mais là, il y a des kills un petit peu de chaque côté. Oxa, pas beaucoup de points de vie. Et Nif va aller le chercher. C'est bon, c'est sécurisé. Le Lucio à 80 miles à l'heure pour ce kill. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Les Project 5 Esports ont réussi à prendre des kills. Pendant ce temps-là, sur le point, Marron de retour avec le soldat est positionné pour continuer à garder ce point. Et c'est assez étonnant, les Project 5 Esports jouent de la dive contre une composition dont ils savent qu'il est difficile de rentrer dans le tas. Du coup ils jouent à l'usure, ils forcent l'équipe adverse à reculer pour prendre le point sans prendre de risque. Et du coup bien, pour l'instant ça a l'air de payer ici. Nif qui va tomber en premier sous les roquettes de NTRZ ici. Pour l'instant le Nif était en flanque, j'ai l'impression qu'il a utilisé un mur du son. Peut-être qu'il devait être apporté de l'Underrated, malheureusement ça a été repéré directement par les Project 5 Esports. C'est un 1 pour 1, et voici l'engagement de Project 5 Esports. Toutefois, Kuzenka va déchaîner les carisseurs, Oxa va être repoussé, mais on va mettre cette bombe Yipman ici, avec un double kill capital pour cette fight. Oxa pour la finish avec un double kill, 87% sur le point. Et ça joue bien hein, du côté Project 5 Esports. On a l'avantage pour l'instant. On va essayer de changer de stratégie. Pancake qui va partir sur un Reinhardt, Kuzenka qui va partir sur Nezarya. On n'a pas vraiment trop d'ultime maintenant hein, puisque ces switches arrivent tardivement. Il faut toucher le point. Est-ce qu'on peut contester? Voilà quelque chose fait. On va prendre le kill sur la saute dès le départ. La confiance est sortie. Tous les ultis sont prêts côté Project 5. Mais pour l'instant, les Underrated trouvent les frags. Prop Hope va pouvoir déchaîner le mur du son pour augmenter les points de vie de ses alliés.
peut-être marron. Avec le but tentatif, effectivement, c'est parti sur la hauteur. Le duel contre Spartan est remporté par le soldat. Et c'est en train de passer pour les Project 5 eSport. Ils vont 2-0 les Underrated sur Nepal et sur ce BO. Une performance très solide de chaque côté. Mais c'est les Project 5 qui seront au-dessus. Ouais, bien joué ici pour les deux équipes. Les Project 5 seront au-dessus, comme tu l'as dit. Yip Man avec Tracer pour le play of the game. Cette bombe à impulsion me donne envie de voter Yip Man en tant que MVP. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, on va dire que je suis d'accord, même si Marron a fait une très belle performance, les DPS ici étaient vraiment, équivalents c'est sur le match. C'est compliqué en fait. Pour le coup, côté Project 5 eSport, il y a également Oxa que je mettrais MVP, mais... Pour ce mur du son bloqué, bien entendu. Ouais, le mur du son bloqué notamment, mais il y a beaucoup de monde pour qui son travail de counter-dive, tout le monde a bien joué, mais je pense que je vais mettre Sipan, parce que c'est vraiment celui qui s'est fait remarquer sur Nepal. Je suis d'accord avec toi sur Nepal, il a vraiment fait un bon travail, il s'est débarrassé des supports assez régulièrement et puis voilà, on l'a vu, ce play of the game ici est mérité à la fin. Donc je suis d'accord avec toi pour le MVP des Project 5 eSport. Alors, pour Underrated, il va falloir faire un choix également. Pareil, c'est compliqué, ça a très bien joué de chaque côté. Je partirais personnellement pour Lazio. Si t'as une suggestion personnellement, j'aurais dit Spartan. Voilà, pour le coup, j'ai beaucoup observé son Genji et il était un petit peu partout. Il s'est pas mal débarrassé de beaucoup d'adversaires. Il a réussi à faire la différence plusieurs fois, même s'il a eu beaucoup de difficultés puisqu'il s'est fait contrer plusieurs lames du dragon. Donc j'avoue qu'il a eu énormément de difficultés. Lazio, pour le coup, sur Hollywood, on n'a pas eu trop l'occasion de le voir parce qu'il était énormément focus. Donc du côté de Project 5 eSports, ils avaient très bien joué pour l'éliminer. Mais du coup, Spartan était un petit peu plus libre de travailler. Donc je sais pas, pour le coup, je suis pas vraiment d'accord avec tes arguments sont valides et du coup, je vais les suivre. Donc on va partir pour Spartan, effectivement. Lazio, pour moi, était en deuxième position à côté. Mais bon. Je te comprends. Du coup, Yip Man et Spartan en MVP. Les choix n'ont pas forcément été simples pour ce match, mais on va du coup pouvoir les accueillir en vocal pour l'interview des MVP dans quelques instants, mesdames et messieurs. C'est sûr que dans ce genre de match, c'est difficile de trouver un véritable MVP dans chaque équipe, puisque les matchs qu'on a cassés ce soir étaient tous les deux très serrés, malgré les résultats qui sont à chaque fois de 2-0. On a eu des matchs où les deux équipes avaient vraiment fait des beaux plays, que ce soit en équipe ou personnellement de chaque côté. Donc c'est difficile de trouver un seul joueur qui était au-dessus des autres, parce que pour moi, véritablement, c'est le team play qui a payé de chaque côté. Et bonsoir Spartan, bonsoir. On attend le camarade Project 5 eSport, on attend Yip Man, le deuxième MVP Spartan, qui aura, franchement, on a eu du mal à changer les MVP sur ce match, pour être entièrement honnête, que ce soit pour les Underrated ou pour les Project 5 eSport, ça s'est vraiment joué sur des petits détails. Avec ton Genji, tu t'es quand même pas mal démarqué, avec quelques blades intéressantes finalement. Je vous remercie. Eh bien, très bien. Et alors qu'on a actuel Yip Man qui lui s'est réellement démarqué sur Nepal avec sa Tracer. Bonsoir. Bonsoir. Oh. À la Mister Dame, je te laisse commencer cet entretien avec le DMVP. À toi l'honneur. Eh bien, pour le coup, je vais commencer par une question pour Yip Man. La map sur le sanctuaire de Népal était particulièrement intéressante. J'ai l'impression que vous avez complètement changé de style de jeu tout en gardant la composition, parce que lors du premier teamfight, vous étiez en train de perdre tout simplement le teamfight en étant rentré assez rapidement dans le tas contre la composition d'Underrated qui jouait Orisa Chopper. Vous avez décidé de jouer plus passivement. Est-ce que vous l'avez, est-ce que c'est venu tout seul? Est-ce que vous n'avez pas du tout discuté de ça? Ou est-ce que vous avez vraiment dit, ok, on essaie de jouer à l'usure, on essaie de prendre des distances et on ne le rentre plus dans le tas? Parce que ça s'est vraiment vu. Au premier teamfight, vous êtes rentré dans le tas et puis par la suite, vous avez complètement gardé vos distances. Est-ce que ça s'est décidé directement? Ouais, en fait, au début, on a dit on va essayer une dive parce que généralement, on galère contre les compositions Orisa quand on joue une dive. Et là, du coup, on s'est dit, bon, on va quand même essayer. Au premier fight, on a quand même hésité encore à switch. Mais au deuxième, on s'est dit, en fait, il y a moi et Oxa. On s'est un peu dit qu'il fallait qu'on
qu'on focus la même cible. Parce qu'au début, il le faisait avec Nitroz et ça marchait pas tellement sur, d'ailleurs sur la première manche. Et du coup, là, voilà, j'ai fait avec Oxa, du coup, ça a un peu mieux marché. D'accord. D'accord. Effectivement, ce travail de counter dive très important. Ensuite de ça, on t'a vu jouer Tracer sur Nepal. Et franchement, c'était de très très bonne qualité. T'as apporté beaucoup d'ouverture avec ton équipe, franchement. C'était plutôt propre. Et du coup, le reste de ton équipe, qu'est-ce qui faisait que t'arrivais à réellement pop-off, comme on dit dans le jargon, par rapport à ton équipe? Bah surtout grâce à mes tanks en fait. Enfin, surtout Oxa, parce qu'il me suivait pas mal. Comme vous pouvez le voir, vous avez pu le voir d'ailleurs. Absolument. Donc c'est ce qui m'a vraiment servi à être un peu free quoi. Ouais, c'est juste une histoire de tank finalement. Ouais, voilà, c'est ça. On a beaucoup hésité d'ailleurs. Hein. On discutait avant votre arrivée sur les MVP, qui est-ce qu'il fallait choisir. Donc on est parti sur toi, Hipman, mais on a hésité aussi à prendre Oxa parce que voilà, on l'a vu, il a fait un bon travail. Du coup, franchement, pour les deux équipes, ça a été terriblement difficile de choisir. C'était serré et donc on a eu chacun notre avis, on a beaucoup débattu et. Bon, au final, on a bien dû choisir. Après, je trouve vraiment Spartan pas mal aussi sur son Genji. Je trouvais qu'il m'a beaucoup, m'a beaucoup fait chier en fait. Aïe, 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 oui. Ah, tu sais aussi, nous as fait mal aussi. C'est vrai. Ah là là. Du coup, Hammer. Moi, j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Si Tams, tu as des questions de plus, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Peut-être pour Spartan sur Hollywood. Du coup, la première carte était avec ton Genji. À un moment, tu utilises ta Blade. Je pense que c'était en attaque et tu te fais endormir par la Ana sur l'auteur. Est-ce que à ce moment-là, tu avais décidé de l'ignorer parce que j'étais sur ta caméra et clairement, tu n'allais pas sur elle donc avec ton coup d'épée. Donc, est-ce que tu avais décidé de l'ignorer? Est-ce que c'est votre équipe qui avait décidé de l'ignorer? Ou est-ce que vous avez tout simplement pas vu cette Ana? Est-ce que vous avez sous-estimé le danger qu'elle pouvait être? Ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qui fait que tu te retrouves endormi de manière assez surprenante, du coup? Je ne m'attendais pas à me faire slip. Et oui, en fait, j'avais décidé de l'ignorer pour suivre... focus là qui était un peu plus loin devant si je me trompe pas mais oui donc du coup ouais je m'attendais pas à me prendre un slip qui sortait un peu de nulle part j'avoue j'ai été surpris sur le moment mais je crois qu'après le fight on a gagné oui par la suite vous avez gagné le fight c'était sur le premier checkpoint après la capture du point voilà, mais du coup ce slip était très impressionnant et je me demandais est-ce que la Ana du coup avait été oubliée, enfin volontairement oubliée parce que ça arrive, voilà, il y a un support mais il y en a surtout un second, donc il y a les focus qui se font in-game. Du coup, pour toi le slip était complètement surprenant, inattendu et la Ana était pour votre équipe du coup un oubli volontaire, elle n'était pas la cible principale et donc c'est pour ça qu'elle a eu l'occasion de t'endormir. C'est ça. Ok. Eh bien... Eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour cette fois-ci. On vous remercie évidemment pour ce match très très intéressant à commenter et à regarder. Et du coup, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Hein. Bonne soirée. Eh bien, de notre côté, on va du coup vous laisser. Du coup, c'était Project 5 Esports contre les Underrated Project 5 Esports. Avec une très bonne performance face à Underrated. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Salut!